Faut que j'arrête de tourner mes vidéos super tard, c'est déjà minuit 56. Hello tout le monde! Got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account, yeah, in my bank account, yeah. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur la totalité de mes baskets, donc une vidéo All My Sneakers. Et je vais vous présenter aussi en bonus deux paires de talons, et un moustique, parce que j'avais envie de vous les présenter. C'est mes talons d'été que j'ai achetés pour l'instant, ils sont trop beaux, j'ai trop envie de vous les montrer. Du coup c'est un peu un petit bonus pour les personnes qui aiment bien les talons. Je vous montrerai pas les paires portées parce que déjà j'en ai beaucoup trop, du coup ce serait vraiment long. En plus je vais vous sortir cette vidéo le lendemain. Mais et je trouve que aussi les paires, quand on les montre comme ça, on les voit assez bien, le pied sur le pied ça change quasiment rien. Du coup voilà, je vous les montre uniquement comme ceci. Peut-être qu'une fois je vous referai un All My Sneakers où je vous montrerai portée. Du coup on va tout de suite commencer. Let's go. Donc mes paires de talons, ce sont deux paires de talons identiques, juste de couleurs différentes, que j'ai acheté chez Pull&Bear. Donc pour la première, ce sont des talons noirs, voilà. La hauteur ça doit faire dans les 10 cm. Elles sont juste trop belles, enfin personnellement j'adore, je les trouve trop belles. J'ai un problème avec les talons parce que j'ai un énorme pied ici, genre il est hyper large mon pied. Et du coup je suis trop contente d'avoir trouvé une paire qui me va. Donc voilà, elles sont comme ceci, elles sont juste trop belles. Et il y a une sangle, vous voyez, à la cheville avec une boucle et je trouve ça juste trop beau. Donc pour la deuxième paire de talons, ce sont les mêmes, c'est juste qu'elles sont beige. Beige rose clair à peu près, et elles sont juste magnifiques, c'est plus nude et je les trouve habillées tout en noir avec une petite paire de talons beige, genre pépite, trop beau, du coup j'adore. Donc voilà, ça c'était mes deux paires de talons. Je vais faire par marque, ça sera plus organisé parce que j'ai une vingtaine de paires à vous montrer, donc faut que je me dépêche. Donc tout d'abord on va commencer avec la marque Nike. J'ai deux paires à vous présenter, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de paires Nike. J'ai surtout des Puma, enfin vous allez voir. Donc ma première paire, ce sont des paires, une paire, alors je vous préviens, il y a des paires qui sont plus ou moins vieilles. Donc cette paire de sneakers, ce sont les Air Max, ce sont les Air Force basses. Et en fait je les trouve juste trop belles, les blanches, en plus ça recommence à être à la mode. Le seul truc c'est que vu qu'elles sont vieilles, la semelle elle est jaune, puisque le plastique il jaunit quand il est vieux. Et du coup je pense les racheter exactement les mêmes en blanc, comme ça elles seront toutes propres et tout. Et du coup elles sont comme ceci et je les trouve juste trop belles, et je trouve que c'est vraiment un basique à avoir. Cette paire elle coûte dans les 120 francs il me semble. Je dis francs car je suis suisse, je le répète à chaque vidéo. Donc voilà, je suis désolée si je regarde beaucoup là, mais c'est pour voir si je montre bien la paire. Du coup voilà, j'essaie de regarder plus là. Donc je les trouve vraiment trop jolies. La deuxième paire de Nike que j'ai à vous montrer, ce sont les Air Max 97, ou 97 pour les Français. Donc j'ai pris les noires comme ça avec le signe en blanc, et elles sont juste trop jolies avec la bulle d'air ici. Et quand on met le flash, elles s'illuminent dans la nuit. Et celles-ci, je les ai achetées à New York, elles m'ont coûté dans les 170 $. Donc voilà, et je sais qu'en Suisse elle coûte dans les 215 francs. Donc voilà, c'est juste super cher. C'est ma paire de chaussures la plus chère, je crois. Du coup, voilà, elles sont juste trop belles. Et puis, c'était un petit engagement, mais je les aime vraiment. Ensuite, on va passer à ma marque préférée de chaussures. Enfin, vraiment, celle que je mets tous les jours, limite. C'est Vans. Donc, vous allez voir que je suis accro aux Vans. Donc, je vais vous montrer par rapport à l'ordre dans lequel je les ai achetées. Donc, j'ai une paire de Vans noires basiques, basse. Donc il me semble que c'est les old school, ou les old school c'est les hauts, je sais plus. Bref, de toute façon j'ai les deux, enfin vous allez voir. En gros, la paire de Vans basse avec semelle basse noire basique comme ceci. Et comme elle commençait à être un peu usée, j'ai acheté les mêmes sauf en semelle haute. Et je mets plus que celle-ci, donc on peut voir genre qu'il y a une semelle basse et une semelle haute. Et du coup voilà, maintenant elles sont plus neuves, elles sont un petit peu sales parce que je les mets quasiment tous les jours. Ici c'est blanc alors que sur les autres ici c'est rouge. Et je les trouve juste trop belles et je les mets quasiment tous les jours. Il faudrait que je les lave un petit peu, mais je trouve que ça va vraiment. Toutes les tenues que je veux mettre, je peux mettre des Vans avec, ça va avec tout. Et en plus de ça, je me suis acheté la paire de Vans hautes comme ceci, noir. J'ai que des noirs parce que les Vans couleurs je suis pas fan. À moins que genre vraiment j'en trouve une fois une trop belle, mais je suis pas fan, sinon vraiment les noires et blanches c'est mes préférées. Et du coup c'est les hautes comme ça. Celles-ci je les ai reçues à Noël par ma soeur, je les ai présentées dans mes cadeaux de Noël. Bon, elles sont beaucoup plus belles portées, mais avec une tenue et tout ça fait juste trop beau. Donc vraiment j'adore et je trouve que les Vans c'est vraiment la base, genre faut avoir des Vans quoi. Ensuite je vais passer à la plus grosse catégorie,
qui sont les pumas. J'adore les pumas, surtout que ce que j'aime dans les pumas, c'est qu'il y a énormément de choix de couleurs. C'est dans cette marque, je trouve que je peux prendre un peu plein de couleurs. Du coup, vous allez voir ce que j'ai. Donc, tout d'abord, j'ai une paire que j'ai achetée il y a longtemps et que, en fait, je mets plus du tout. Et pourtant, je les trouve trop belles. Ce sont une paire de pumas suède qui sont beige, bien sûr. Qui sont bleus comme ceci, bleu clair avec le signon blanc. Et elles sont juste trop jolie avec une paire de jeans et tout, mais je sais pas pourquoi, mais je dois les remettre. Justement, cette vidéo, ça me permet de voir ce que je mets plus et ce que je dois remettre. Donc elles sont comme ceci et elles sont juste trop belles, les pumas suèdes. Et les pumas suèdes, ça coûte dans les 120 francs, il me semble, les pumas suèdes. Entre 90 et 120 francs, il me semble. Donc j'ai les bleus clairs comme ceci. J'ai aussi, alors ça je crois que c'est ma paire préférée vraiment de puma, ouais c'est ma paire préférée. Ce sont des jaunes. Voilà, c'est vraiment flashy. Et je trouve qu'avec une tenue, avec un pantalon gris, c'est le truc le plus beau. Noir, ça fait un peu maille à l'abeille, mais avec un pantalon gris, c'est vraiment trop beau. Elles sont juste magnifiques. Enfin, perso, j'adore. De toute façon, j'adore les baskets. Et genre, elles sont vraiment trop, trop belles. Regardez-moi ça. Genre, magnifique. Qu'est-ce que j'adore. Ça fait toute une tenue. Vous habillez simple, vous mettez une paire comme ça, ça pète. Ensuite, dans les pumas, quand je vous disais que je prenais des couleurs, c'est que oui, je prends des couleurs, vraiment. J'ai pris une paire de pumas suèdes rouges. Donc, elles sont trop belles. Non, c'est pas des pumas suèdes. C'est des pumas Courtstar. Je pense que je prononce mal, je suis désolée. Elles sont comme ceci. Elles sont trop belles. Et elles sont un peu en cuir doux, on dirait. Et voilà, je les ai vues quasiment nulle part, à part sur ma sœur en fait, celle qui m'a donné envie de les acheter. Et du coup, elles sont juste magnifiques, genre, regardez-moi ça, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Vous mettez, c'est pareil, avec une tenue noire ou comme ça, vous mettez des baskets rouges, ça pète trop. En plus, avec le signe en doré, là, c'est vraiment trop beau, du coup, voilà, j'adore. Dans les pumas, il me semble pas que ce soit des pumas suèdes, mais je sais pas ce que c'est. Je suis désolée, je sais plus ce que c'est comme puma. J'ai des beiges comme ça avec grosses semelles brunes. Donc elles sont beiges comme ceci avec le signe puma un peu plus clair. Et elles sont trop jolies. Ensuite dans les pumas, dans les pumas suèdes, j'ai encore une paire à vous présenter. C'est la dernière des pumas il me semble. Oui, ne vous inquiétez pas. Ce sont les pumas couleur corail. Il me semble que c'est à peu près corail. Une couleur saumon plutôt. Elles sont trop jolies avec les lacets un petit peu plus foncés. J'adore ça avec une tenue noire aussi, trop beau. Pareil, vous habillez simple, vous mettez ça, perfect. Donc dans la même couleur, j'ai des Reebok. Je dis Reebok, on peut dire Reebok, je crois. Enfin, je sais pas. Moi, je dis Reebok personnellement ou Reebok. Ouais, bref, on s'en fout. j'ai des beiges, n'importe quoi. Des saumons comme ceci et en fait, je les mets plus du tout parce que j'aime plus trop les Reebok. Je trouve pas ça beau. Vraiment genre des fois ça peut aller avec des tenues mais genre c'est plus ce que j'achèterais. Du coup ouais je les mets plus du tout, j'aime plus. Du coup voilà genre rien de plus à dire dessus du coup mais elles sont pas mal mais personnellement en fait j'ai d'autres paires de chaussures que par exemple je préfère celle-ci. Du coup à la place de mettre celle-ci je mettrais celle-ci donc voilà. Ensuite Adidas, j'ai alors elles je suis désolée elles sont vraiment sales. J'ai la paire Adidas Los Angeles qui sont comme ceci, donc pareil ces bandes elles brillent dans la nuit, donc enfin elles brillent dans la nuit quand on met un flash dessus, donc elles sont comme ceci, elles sont sales parce qu'elles sont vraiment salissantes, il faut vraiment que je les lave, et elles sont juste trop belles, grises comme ceci, claires, trop jolies. Encore de chez Adidas, j'ai cette paire là, elle c'est vraiment une vieille paire que je mets genre pour aller à la cave vous savez. Soit je mets mes claquettes pour aller à la cave, soit je mets ça en mode claquettes chaussettes. Donc c'est une paire d'Adidas Superstar qui sont comme ceci. C'est pas les noires, c'est les grises avec des petits points dessus. Elles sont vraiment jolies mais le truc c'est qu'elles sont pourries parce que sur les Adidas... En fait, vu que c'est en cuir, là, ça se craque au bout d'un moment. Vous voyez, ça, c'est même pas de la saleté. C'est juste que le cuir, il s'est craqué à force de les mettre. Elles, je les ai vraiment saignées. Du coup, elles sont usées, mais bon, ça vaut la peine. Je les ai mises pendant longtemps, tous les jours. Donc, voilà. Du coup, je les mets vraiment en cas d'extrême flemme. J'ai une paire que j'ai achetée il y a pas longtemps. Bon, en vrai, les jaunes non plus, je les ai achetées il y a pas longtemps. Ma paire de 20 euros, je l'ai achetée il y a pas longtemps. Enfin, ma paire de 25 euros, je l'ai achetée il y a pas longtemps. Mes Air Max, je les ai achetées il y a pas longtemps. Mes deux talons, je les ai achetées il y a pas longtemps. Et voilà, c'est ça mes nouvelles paires de chaussures à peu près dans les deux mois qui sont venus. Donc là, c'est une paire de Stan Smith vertes.
Donc j'adore, je sais que c'était la mode en quelque sorte il y a un peu longtemps, mais en fait moi je les adore, du coup je les ai achetés maintenant. Et voilà, elles sont trop belles, je trouve que ça va vraiment avec tout. Et il faut vraiment les garder super propres, vraiment j'essaye de les garder le plus blanc possible, le plus longtemps, parce que après je sais que ça va commencer à craquer comme les autres parce que c'est du cuir, mais je trouve que c'est trop beau neuf. C'est pas une paire d'Adidas, mais on dirait, en fait, je les ai achetées à Dozenbar, mais je les ai vraiment trop kiffées. En fait, c'est, elles sont comme ceci derrière, mais il n'y a pas le signe Adidas, du coup, vu que c'est pas des Adidas. Mais elles sont comme ceci sur le côté. Elles ont une rose, donc elles n'ont pas vraiment de vraie marque, on va dire. Mais je les ai trouvées trop belles avec la rose, comme ça, je trouvais pas, genre, chez Puma, Adidas, Vans, tous ces trucs, vous voyez. J'en trouvais pas et du coup je l'ai acheté chez Dozenbar et elles sont vraiment trop jolies. Elles me font penser un peu au Gucci, mais vraiment je les trouve trop belles avec ici le bleu foncé. Oh, c'est trop beau, genre c'est juste trop joli. Et là aussi ça peut faire toute une tenue. J'aime bien m'habiller simple et mettre des baskets qui claquent, je trouve ça juste trop beau. Du coup je dis ça alors que je mets mes Vans limite tous les jours, mais vraiment je les trouve juste trop belles et ça change de d'habitude, c'est plus original. Dernière paire que j'ai à vous présenter, c'est, je les ai aussi achetées chez Dozenbar, c'est une paire donc qui n'a pas vraiment de marque. C'est une paire de chaussures avec plateforme très haute, c'est ça en fait que j'ai trop kiffé. Et en fait sur le dessus là il y a un diamant, et si vous regardez c'est un peu une matière bleue qui est super douce, on voit même pas, je dirais vraiment que c'est un bleu super profond. Et en fait quand elle les caresse, elles sont vraiment super douces, il y a des gros lacets un peu satinés, et vraiment genre je les trouve trop belles. Et ça, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des chaussures que de marque. Et elles sont trop jolies avec le petit brillant au-dessus, je les trouve trop jolies. En plus j'arrive à les enfiler facile parce qu'il y a un élastique. Donc elles aussi je les trouve juste trop jolies. Et voilà. Donc voilà, c'était la dernière paire que j'avais à vous présenter. J'espère que la vidéo n'aura pas duré trop longtemps. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. D'ailleurs merci beaucoup, on est 17 000 abonnés. Ça va trop vite, il y a deux jours j'ai eu mes 15 000 abonnés limite. Donc merci beaucoup, ça va trop vite. Et du coup, n'hésitez pas à partager la vidéo, faites tout ce que vous voulez. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.